Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis super contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Ça m'avait un petit peu manqué quand même de faire des vidéos YouTube, donc je suis contente. Et pour changer un petit peu de la construction, on se retrouve aujourd'hui dans le mode créer un sim, où je vais tenter de réaliser un sim grâce au hasard, avec un générateur de nombres qui va choisir pour moi les spécificités de mon sim. Si vous avez déjà vu ce challenge, c'est normal. Little Pastèque l'a réalisé il y a à peu près 2 mois, et elle m'a trop donné envie de le faire à mon tour, donc le voici, le voilà. Elle l'avait elle-même découvert sur la chaîne de Belle Peinte, alors je vous remets les vidéos de chacune en description de vidéo si vous souhaitez les voir. Elles ont toutes les deux créé des personnages qu'on penserait pas forcément à créer en commençant une nouvelle partie, en tout cas je pense, alors je vous avoue que j'ai trop hâte de tester à mon tour. On perd pas plus de temps et on commence tout de suite en regardant quel type de sim ça va être, humain ou surnaturel, en sachant que je n'ai pas tous les packs qui nous permettent d'avoir des créatures surnaturelles, donc je fais bien entendu avec ce que j'ai. On va commencer par lancer le générateur et ensuite on s'occupera du sim. Alors déjà, au niveau du type de sim, ça sera le 3, donc je sais pas trop ce que c'est, on verra après. Ensuite, est-ce que ce sera un homme ou une femme? Ce sera 1, donc je crois que c'est un homme, si je dis pas de bêtises, le 1 c'est un homme. On passe à la tranche d'âge et ici on en a 6 et ce sera 5. On poursuit avec le type de corps, où ici on a 2 choix, donc féminin ou masculin, et ce sera 2. Au niveau des préférences vestimentaires, pareil, féminin ou masculin, c'est 1. Votre sim pourra, donc là je crois c'est tomber enceinte, ou pouvoir faire en sorte que de mettre enceinte, quelque chose comme ça, ou aucun des deux, donc là en l'occurrence c'est 2. Utiliser les toilettes debout, c'est le 1. Ensuite pour la démarche, alors il y a 10 démarches différentes, donc on va voir laquelle on va avoir. Eh bien ce sera la 10e, surprise, je crois que les dernières en plus c'est un peu n'importe quoi, ça promet. Pour la voix, il y a 6 types de voix, on a la 1, on passe aux préférences, donc ici sa couleur préférée, je vais en choisir qu'une sur les 11, c'est la numéro 5. Sa musique préférée, il y en a 30 et c'est la 19e, ok. Son look favori, donc là c'est les styles de mode, on aura le 2. Ses activités favorites, donc je vais en choisir 2 sur 31. Alors ce sera 8 et 4. Sa décoration préférée, en soi on s'en fout un petit peu, mais bon, je vais aller jusqu'au bout du jeu. Alors ici il y en a 15 et ce sera la première. Au niveau de l'aspiration, on en a 13, en tout cas j'en ai 13, la 4e. Par contre à l'intérieur, c'est moi qui choisirai. Et on finit par le meilleur, les traits de caractère. Donc moi j'en ai 61 dans mon jeu. Et ce sera donc 32, 46... et 37. Ok, bon, on n'a plus qu'à aller voir le sim pour le préparer à toutes ces indications. J'ai un petit peu peur, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, on est parti. Pour le type de sim, alors ça va être ici, et je supprimerai ce premier sim. Alors ici, je sais pas si je pars du haut ou du bas. Si on part du haut, ça ferait extraterrestre en 1, sirène en 2, et du coup, un sim normal en 3. Je pense que je vais partir du haut, parce qu'il me semble que pour le reste, on part du haut. Notamment ici. Donc ce sera un humain. Ce sera donc un homme. Et beau gosse en plus. Ensuite, l'âge 5. Donc ce sera un adulte. Pour le corps, alors ça va être ici. Donc on est sur un corps féminin. Préférence vestimentaire, on reste en masculin. Votre sim pourra... Bah c'est ça, mettre enceinte d'autres sims. Ça reste cohérent vu que c'est un homme. Ici c'était 1, donc utiliser les toilettes debout, oui. Pareil, ça reste cohérent. Pour la démarche, donc on a... Ouais, oh là là. Démarche effrayante. En fait, je vais faire un psychopathe. Qui marche comme ça? Oh non, à moins qu'on se dise qu'il est somnambule. Mon dieu, c'est horrible. Pour la voix, ce sera la première, donc il aura une voix douce. Sa couleur préférée, c'est la 5e. Alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le marron. Pour la musique, c'est la 19e, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok, musique du monde. Pour son look favori, c'est le 2e, ok, style basique. Les activités, donc j'en ai choisi 2, et ça sera la 4 et la 8, donc le chant, ok, et 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh le chant et la danse, ah c'est trop cohérent. J'adore, en fait c'est un académicien.
C'est quelqu'un de la Star Academy, c'est ça en fait. C'est dommage que j'ai pas eu un autre style vestimentaire parce que j'aurais pu avoir un truc stylé avec chant et danse. Mais bon, ça va pas m'empêcher de tenter des trucs. Ensuite, sa décoration de maison préférée, on s'en fout un petit peu, mais c'est années 50. Et maintenant, on va passer à l'aspiration. Alors là, je suis curieuse. D'accord, c'est connaissance. Alors là, par contre, je sais pas. Voilà, Sims aux multiples talents. Vu qu'il aime le chant et la danse. On va partir sur ça. Et les traits de caractère. Alors ici, il va falloir que je fasse les comptes. C'est 32, 37 et 46. 32, c'est glouton. 37, oh, kleptomane. Oh là là, des traits que je ne mets jamais. En fait, il danse. Et en même temps, tac, il vole un petit truc. Et ensuite, 46. 46. Oh mince, je peux pas. 46, ça va pas avec bienveillant. Mince. Bah, je vais mettre celui d'après. Déteste les enfants. Ouais, c'est génial, franchement. C'était plutôt bien parti depuis tout à l'heure, mais alors là, glouton, kleptomane et déteste les enfants. Mon dieu. Bon, il me reste plus qu'à mettre aléatoirement le prénom. Ce sera David Bernard. David Bernard, ok. Et ben, on est parti pour la tenue. Et je vais supprimer ce sim, cela. Tac. Alors, pour reprendre, on est donc sur un homme qui a un corps de type féminin, mais qui a une préférence vestimentaire de type masculine. Et en termes de préférence, il aime le marron. Donc, je vais essayer de partir sur ça. Il aime la danse, donc je vais peut-être aussi faire une tenue de danse. Et au niveau de la mode, style basique, mais je sais pas trop ce que ça comprend. On dirait qu'il y a un petit survêtement. Ouais, ça fera la tenue de danse. Alors, si je retire tout maintenant. J'ai tellement pas l'habitude, en fait, d'avoir un corps féminin sur un homme. C'est la première fois, je crois. D'ailleurs, j'ai jamais testé. Par contre, c'est chiant ici, quand on veut bouger ça, il y a toujours un creux entre les cuisses. Je sais pas pourquoi. Je vais changer sa couleur de peau parce que là, ça fait un peu malade. J'aime pas trop. Ouais, j'aime bien cette couleur de peau-là. Quoique, le côté un petit peu malade, ça pourrait le faire avec son côté somnambule là, à cause de sa démarche. Parce que là, en plus, je vois qu'il a des petites cernes. Je crois que je vais lui laisser. Oh, des yeux verts comme ça. Oh, c'est joli. Avec le grain de peau, j'aime bien. Le nez, je vais le changer aussi. Ça, c'est un nouveau nez qu'on a eu. Je crois, si je dis pas de bêtises. Un nez plus imposant, peut-être. Je vais mettre une barbe, je pense. Pas forcément grande, mais un petit peu. Ça fait bizarre. Du fait qu'il a un corps féminin, ça ressort fort, je trouve. Je l'ai jamais vue, celle-là. Mais elle est nouvelle. Ça me dit rien. Peut-être que si je fais les cheveux, ça va m'aider. Je vais peut-être lui mettre un casque comme ça. Et je crois que David, vu qu'il fait des petites nuits en étant somnambule, il se maquille un petit peu. Ou alors non, j'enlève ça et je vais lui mettre des lunettes plutôt. Le style, alors je vais peut-être baisser un peu ça, ouais, ça fait bizarre comme ça. Alors, quoi qu'il est glouton, hein, donc il pourrait être un petit peu peut-être costaud. Je sais pas, peut-être un petit peu. Ouais, un petit peu plus comme ça. Ok, imaginons je pars sur ça. On va dire en noir, imaginons. Ensuite, bon, les chaussettes, oui, hein, je peux mettre des chaussettes basiques comme ça en gris. Et par contre, il me faut des belles baskets, là. Celle-là en marron, ouais. Ouais, celle-là, je pense, c'est pas mal. Et ici, en haut. Alors là, il me faudrait un truc un peu simple, mais en même temps... c'est quoi? J'ai jamais vu ce haut. Ah, sinon, ça aussi... Et avec le même personnage, j'ai envie de partir sur tout un autre style qui fait également danse et chant. Donc si je fais une deuxième tenue, vraiment une tenue qui fasse un peu tenue de scène... Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le basique, ouais, ça fait peut-être pas... je sais pas. Si, imaginons, je mets un t-shirt ici, un peu moins basique, style un jean. Ah oui, celui-là. Ça, c'est nickel. Je l'ai pas mis là, mais en même temps, ça se serait pas trop vu. Je vais mettre ici des boucles d'oreilles. Non, donc finalement, je vais rester dans le même style, en fait, ouais. Je vais faire qu'un style pour ce sim. Mais par contre, je vais aussi mettre des piercings. Et je trouve qu'en jouant sur les sourcils et la mâchoire, ça fait ressortir son côté masculin, justement. C'est plus au niveau du corps, finalement, où ici, il y a vraiment ce creux comme ça, quand c'est le type de corps féminin, les hanches qui sont plus prononcées. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais ma foi, habillé, ça se voit pas trop. Par contre, je sais pas si je peux lui mettre un truc par rapport à ses cernes. Ah, ici, je peux mettre la petite ride. Ouais, je vais mettre ça. Les petites pattes doigts. Donc finalement, c'est l'inverse. Cette tenue-là, c'est plus dans la vie de tous les jours. Et cette tenue-là, c'est plus, je sais pas, quand il va dans des battles pour danser, chanter. On dirait un petit peu
un adulte mais qui se donne un air de jeune. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que il est bien, oui, il est bien adulte. Mais alors là, par contre, avec cette démarche, avant que ce soit une, ah mais oui, c'est une de ses danses en fait. En fait, il fait juste Thriller, c'est ça. Il fait la musique de Michael. Ah non, c'est trop bien en fait de l'avoir mis en danse. Et ben du coup, je vais lui faire une tenue exprès pour le clip. Alors dans le clip, j'étais en train de regarder des petites images, ils sont vraiment en mode dépravé, enfin vraiment les tenues sont toutes abîmées, etc. Le truc c'est que je crois qu'on a des choses comme ça dans le pack loup-garou, mais je n'ai pas ce pack. Donc, je sais pas. Sinon rien à voir, et puis je lui mets la tenue de Michael. Je pars du tout au tout. Alors du coup, il me faut une veste rouge et un haut rouge. Donc clairement, David fait partie d'une comédie musicale, d'où le chant et la danse et cette tenue que je suis en train de créer. J'adore. Et pour le coup, du coup, je vais lui enlever ses piercings et compagnie, hein. Faut bien se mettre dans le rôle quand même. Alors comme ça, en noir, ça pourrait le faire, sauf que tout de suite, en marron, ça le fait beaucoup moins. Donc bon, vous avez compris l'idée, hein. Ça sera une perruque, donc ça sera comme ça. Mais je vais lui laisser à lui sa couleur de cheveux. C'est un petit peu compliqué cette affaire. Alors voici sa tenue version Michael Jackson. Je vais vous mettre la bonne couleur de cheveux, ça rendra mieux. C'est pour ça qu'il déteste les enfants en fait, il veut leur faire peur. Avec ses clips là. Deuxième tenue qui est plus une tenue quotidienne. Je trouve trop beau. Il a vraiment un joli visage. Et ici donc la tenue pour ses battles de danse, chant et danse. Donc j'imagine plus soit style hip-hop. Voici donc le résultat de mon petit David Bernard. Le nom qui casse tout. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.